Quand, Dieu, quand ? N'est jamais une question à laquelle Dieu va vous répondre. Car la Bible dit « en son temps », au temps convenable. Et je pense que c'est intéressant, car ça ne me dit toujours rien. Je ne sais pas pourquoi nous sommes tous réconfortés quand quelqu'un nous dit « Oui, je vous le dis, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. » Cela ne vous précise rien. Cela veut dire quand Dieu est prêt à le faire. Au temps convenable. Alléluia. Nous devons être calmes. Je veux que vous compreniez ça ce matin. Nous devons être calmes dans notre vie, même sans savoir. Nous devons être heureux, même sans savoir. Ce n'est pas que Dieu veuille que nous soyons ignorants et idiots et n'avoir aucune compréhension des choses, mais Dieu ne veut absolument pas que nous nous cassions la tête pour essayer de comprendre les choses. Il veut que nous marchions par la foi et que nous vivions par la foi et que nous nous fions à lui et que nous sachions qu'il est bon et qu'il ne va jamais être en retard. Il va toujours intervenir et faire ce qui doit être fait en son temps. Parfois, ça peut être à l'heure de minuit, soit. Mais Dieu soit loué, il ne va pas attendre que nous soyons vaincus pour le faire. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec chaque tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et il intervient toujours au bon moment. Pourquoi Dieu attend-il jusqu'à l'heure de minuit? Pourquoi ne fait-il pas les choses plus tôt? S'il peut les faire après, il peut les faire maintenant. Mais la pression que nous endurons est ce qui bâtit notre caractère. L'attente est nécessaire car elle bâtit notre caractère, elle bâtit une aspiration et nous met dans l'expectative. Quand une femme tombe enceinte, quand Dieu a organisé toute cette chose qu'est la croissance des bébés dans le ventre d'une femme et ces choses-là, pourquoi a-t-il fallu que ça prenne 9 mois? Ça aurait pu prendre 7 ou 6 mois ou bien seulement 3 semaines. Nous ne le savons pas, mais Dieu a sa façon de faire les choses. Et il y a une chose à propos de l'attente. Si nous apprenons à bien attendre, nous apprécierons bien plus profondément l'exaucement de la prière.